Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel, c'est toujours les indicateurs de performance qu'on voyait. Et c'est donc on a les indicateurs, trois indicateurs qui indiquent la même chose. Donc ici par exemple 50%, ici par exemple 20% et par exemple 90%, etc. On va donc construire ces indicateurs de la même façon. On va donc choisir une autre feuille. Ici donc on a les données, par exemple ici on a 1, 1, 1, 9 fois, et ici c'est la somme, ici c'est la somme, ici pour les 3, le 1 tiers c'est grand L, pour les 2, le deuxième 1 tiers c'est K, et ici c'est 3, grand G, ici 3 fois 33, 33, c'est-à-dire le 1 tiers, et ici c'est la somme. Ici donc on a 60% par exemple, et ici on a 1, et ici 39 c'est... Ici, c'est 100 moins 1 moins 60 avec la formule. Ici, plus 200 moins ceci, moins ceci et moins 60. C'est aussi, on laisse ici les formules. Donc, on a trois séries ici. Donc, on va donc sélectionner ceci. Et toujours en appuyant sur CTRL, on sélectionne ici la deuxième série. Ensuite, la troisième série, comme ceci. Ensuite, on va faire insérer. Le type de graphique, donc, c'est un an. OK. Voilà, donc. Je vais sélectionner pour agrandir. Je vais donc supprimer ici, c'est légende. Et c'est le titre. C'est le sous-titre. Et je sélectionne une par la droite. Mettre en forme. Et ici, je vais mettre 270. Et le taux. Voilà, donc. Pour les demi-cercles ici, inférieurs, les trois. Je vais donc les décolorer, donc. Je sélectionne la première fois et la deuxième fois pour que je puisse sélectionner ce semi-cercle ici inférieur. Par la droite, donc, ici, aucun remplissage. Ici, une première fois, deuxième fois pour sélectionner. Et aucun remplissage. Et la troisième, première, deuxième, par la droite, aucun remplissage. Ensuite, le tableau lui-même, aucun remplissage. Voilà, aucun remplissage, voilà. Ensuite, donc, je sélectionne ici, deuxième série, donc, c'est celui qui est milieu. Je clique par la droite, je fais modifier le type, et je vais donc, c'est la deuxième, je vais donc la mettre au secteur. Voilà. Donc, je clique, et je reclique par la droite, mettre en forme. Je mets ici 270 aussi. Voilà. Voilà. Donc, elle est sélectionnée ici. Donc, je vais mettre ici, au lieu de 1, je vais mettre 5. On va voir pourquoi. Mais ensuite, je vais retourner à 1. OK. Donc, pour le gris ici, je sélectionne le gris deux fois. Donc, la deuxième fois, aucun. Pour le bleu aussi. Attendez. Deuxième fois, aucun. Et pour celui-là, je vais mettre axe secondaire. OK. Ensuite, je vais donc mettre ici 1. Je reclique, je sélectionne. Je le sélectionne juste, seul. Je clique par la droite. Et je vais donc mettre ici noir. Et ici, le contour aussi en noir. Je peux mettre ici 0,5. OK, ici, sans remplissage pour celui qui est à gauche. OK, donc ensuite, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ici égal, ceci, et guillemets, je vais mettre le pourcentage, et je ferme guillemets. Donc, pour avoir les 60 ici, je sélectionne donc ce type, seul, et je vais cliquer par la droite, ajouter étiquette. Je vais sélectionner juste ajouter étiquette, voilà, et ici je sélectionne et deuxième fois je clique ici égal et je vais mettre ici ceci. OK, ensuite je sélectionne la troisième série qui est à l'extérieur, voilà, et une deuxième fois c'est la troisième série, donc il faut sélectionner ici et il faut pas mettre ici troisième série, voilà. Ensuite, je clique par la droite. Attention, il faut s'assurer que c'est la troisième série. Voilà.
Ajouter étiquette. Je sélectionne les étiquettes. Je clique par la droite. Mettre en forme les étiquettes. Valeur. Ici, on va donc choisir la valeur. Valeur étiquette est mise dans ce champ. Je choisis ces valeurs-là, ces lettres. OK. Et je décoche les valeurs ici. Je le mets dans ceci, toujours sélectionné. Je vais donc à accueil. Ici, pour la police, je choisis Wingdings. Wingdings. Je vais donc agrandir un petit peu. Voilà donc, pour les trois sont en colère. Ici, simple. Et ici, il sourit. Donc, selon ces valeurs-là. OK. Voilà donc, je peux resélectionner. Je peux mettre ça en gras. Donc, je vais donc, avec CTRL, je vais cliquer. Et avec CTRL, je vais donc copier. OK. Ensuite, sur ceci, je peux sélectionner ceci. Et format, modifier la forme. Et je peux, par exemple, avoir ici une forme. Toujours, on peut modifier avec Wingdings. Wingdings, attention, c'est Wingdings. Wingdings. Et je peux changer toujours la forme à ma guise. OK. Par exemple, ceci. Je peux le rendre comme ceci. Comme ceci. Selon mon choix. L'essentiel, c'est toujours. Faut retourner ceci. Wingdings. Coloration. Selon votre remplissage. Et je vais supprimer ceci. OK. Voilà donc. Ensuite, je peux resélectionner ceci. Mettre une troisième. Donc, je sélectionne. Donc, la troisième série. Toujours. Et ici, attendez, il faut sélectionner la troisième série. Troisième série. Troisième série. Attendez. Voilà. Et remplissage, aucun. OK. Et ici. Voilà. Pour les étiquettes. On va faire par exemple comme ceci. On peut les colorer selon notre choix. Ensuite, voilà donc, je peux colorer ceci en blanc, ici, en blanc, et ici, je vais mettre donc, voilà, par exemple 40, 90, etc. OK. C'est la même chose ici. On a ici des séries donc. OK. Voilà donc par exemple 15, etc. OK. Ce sont des indicateurs donc. Et à la prochaine.